Bienvenue à ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Bonjour. Le Centre de recherche d'agriculture et technologie coréen, copia de l'Université de Kinshasa, a lui aussi été victime de pillages perpétrés par les inciviques la semaine dernière. L'ambassadeur de la Corée du Sud a rencontré à cet effet le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Evariste Boshab, pour exprimer son indignation. Suivez le propos de l'ambassadeur de la Corée du Sud au micro de Léontine Kazamwali. This afternoon, I paid a court escrow on the Minister of Interior and Vice Prime Minister and Minister of Interior. Le but de ma visite cet après-midi au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, c'était pour discuter sur le fait que récemment, sur les incidents qui ont eu lieu à Kinshasa, le centre COPIA, qui est un centre international d'agriculture et de transfert de technologie pour l'université de Kinshasa, a été visité et beaucoup de choses ont été saccagées. Et ce centre-là contribue justement au développement agricole. Donc ce centre-là est constitué, comme je l'ai dit tout à l'heure, des chercheuses qui étaient en mesure de transférer la technologie. Et pendant les incidents, il s'est fait que le centre a été visité et beaucoup de choses ont été détruites. Donc les manifestants sont entrés, ils ont détruit et saccagé et même emporté de l'argent. Et cela rend difficile les activités qui doivent certainement continuer. Mais j'ai discuté de cette question avec le ministre qui nous a assuré de la protection, de la sécurité de ce centre qui doit toujours continuer.